Et c'est parti donc pour ce match de la 11e journée de l'Ikimoli Star League avec Limoges qui reçoit Cesson Rennes. Limoges qui veut confirmer son bon début de saison, et du côté de Cesson évidemment il faut se reprendre et se donner de l'air en bas du classement avec Tourchenko. Mestich. Ah oui, Tourchenko qui est passé, qui va allumer la première mèche dans la cage d'Arnaud Tabaran. Premier but, les Bretons. Mais c'est en revanche Limoges qui était à l'attaque. Arnaud Tabaran tranquillement qui réalise l'arrêt. Et dans la foulée, encore cet arrêt de Dino Slavic. Apollinaire, Mathieu Salou et l'arrêt encore. Ouais, décidément, c'est un mur pour l'instant auquel se heurtent les Cessonnais. Pour l'instant, c'est grâce à lui, hein, notamment, que son équipe mène 3-1 avec cette nouvelle parade. Et 4-1 désormais pour Limoges. Arrivé dans un contexte particulier, hein, avec le championnat ukrainien, évidemment, qui vit une période délicate, et puis aussi un prêt pour lui en Pologne. Et Salou qui va prendre ce shoot. Ouais, passe bien trop compliqué là pour trouver Kuzen. Et dans la foulée, Cesson a la possibilité d'égaliser. Premier but pour l'ailier cessonnais. Oh, magnifique geste pour lober Arnaud Tabaran de la part du pivot limougeau Tomislav Kuzan. Allez, Konekren avec Daniel Mozindi. Et finalement, la solution à l'aile pour l'égalisation. Oh, c'est bien joué, très bien joué. Eh ouais, finalement, il a pu récupérer ce ballon, Dragan Gajic, dans la confusion totale dans la défense. C'est Sonnez. Et ensuite, ce shoot lointain et surtout puissant de Seif Eldera. La contre-attaque, justement, c'est Sonnez emmené par Junior Tuzolana. Oh, quel arrêt encore de Slavic. Dino de son prénom. C'est Romain Brief, voilà, qui va le premier dynamiter la défense limougeaude de cette seconde mi-temps. Et remettre Cesson directement dans le bain. Mais il a fallu aussi compter sur la réponse de Maxime Ogando avec la roucoulette réalisée par l'ailier limougeaud. Apollinaire, magnifique. Oh, oh, quelle passe, mais quel arrêt de Slavic. Et voilà, Cesson qui enfin réussit à mener dans ce match. Et raté de la part des Konekren. Est-ce qu'Andrea Guillaume va s'en saisir? Ouais, bien joué avec l'égalisation. Ostich, la passe pour Dolenech. Au duel avec Junior Tuzolana. Et ensuite, c'est Maxime Ogando qui trompe Arnaud Tabaran avec... On va le revoir, l'aide du poteau. Ouais, le poteau. Et ensuite, c'est le dos d'Arnaud Tabaran qui, malheureusement pour le gardien, Cessonnais. Romain Brief, la pression mise par Beaublanc sur les arbitres. Et la récupération, Seif Eldera. Et voilà, voilà Limoges en contre-attaque qui fait mal à Cesson. Et Michel Baran qui passe, qui marque son premier but. Limoges pour l'instant mène d'un petit but seulement. Et deux désormais avec cette nouvelle réalisation 24-22. Attention, Dolenech. Et le ballon récupéré par les Cessonnais. Il est important ce ballon. Il ne faut pas le manquer pour Junior Tuzolana. Mais non, quel homme, Dino Slavic, qui offre la victoire à Limoges. Allez, Romain, Mathieu Salou, pardon, pour remettre quand même Cesson à deux longueurs. Oh, et tout seul, Seif Eldera. Et magnifique, dernière